L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous des mardis de la santé UNIM, organisé par MedScore, l'Observatoire des tendances santé-sport, en partenariat avec l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, comme vous le savez, nous avons rendez-vous tous les 15 jours dans les studios de MedScore pour analyser des phénomènes de marché qui bousculent les pratiques des professionnels de santé, en particulier les professionnels de la physiothérapie. Et ces phénomènes tirent l'ensemble de la profession vers le haut. C'est ce qui nous intéresse sur ce plateau. Donc, nous sommes dans des rencontres interactives avec un débat ouvert avec nos intervenants. Et il y a 15 jours, sur ce plateau même, nous nous interrogions sur comment réussir une diversification d'activités après avoir dégager un consensus sur le fait que l'avenir des cabinets passe par la diversification d'activités et que celle-ci s'impose donc désormais aux kinésithérapeutes. Alors, ce soir, nous avons l'objectif, vous l'accordez un petit peu ambitieux peut-être, d'établir une radioscopie des thérapeutes référents. Alors, qui sont-ils ? Y a-t-il un profil type ? Pourquoi sont-ils si précieux pour les fabricants de marques ? Et comment peuvent-ils collaborer en toute transparence, en toute déontologie ? Et si on veut le faire un petit peu rapidement, sans vendre leur âme au diable. Alors, pour en discuter, pour en débattre sur ce plateau, à mes côtés, donc Denis Gomichon, bonsoir. Donc, vous êtes kinésithérapeute ostéopathe, président de la commission diversification au CROM-KARA, donc au Conseil régional de l'ordre de kiné de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci d'être avec nous. On aura plein de questions à vous poser sur ce que l'on peut ne pas faire ou faire. On en débattra. À ma droite, Patrick Méo, dont vous êtes alors le fondateur du système clinique médico-sport et aujourd'hui promoteur de MedScore, donc l'Observatoire des tendances santé-sport. Nous sommes sur un sujet qui vous tient très à cœur. On va bientôt comprendre pourquoi. Et j'espère qu'avec vous, nous pourrons répondre avec toutes les questions que nous nous posons, que vous vous posez. Et donc, nous accueillons en visio avec nous Michaël Dubief, donc, qui est masseur kinésithérapeute et référent pour une solution de TECAR thérapie. Donc, vous nous en direz davantage, Michaël, sur votre engagement comme kiné référent, sur ce qui vous est demandé, sur ce que ça vous apporte également à vous. Nous y reviendrons par la suite. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons Aude Pennel, qui représente notre partenaire l'UNIM sur ce plateau. Alors, bonsoir Aude, pouvez-vous nous présenter ce qu'est l'UNIM, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ? Oui, l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est organisée il y a une quarantaine d'années avec un double objectif, celui de défendre les intérêts des professionnels de la santé comme vous, mais également d'aller négocier les meilleures conditions d'assurance à titre privé et professionnel. Cette association, et pour cela, s'est appuyée sur un assureur de référence qui s'appelle Alliance, puisqu'en effet, il était important de pouvoir s'appuyer sur un assureur de qualité dont la solidité technique était importante pour pouvoir justement accompagner nos adhérents sur des risques lourds tels que l'invalidité. Peut-on prendre un cas pratique pour illustrer votre propos, s'il vous plaît ? Prenons un cas pratique, en effet, celui de la prévoyance. En cas d'arrêt de travail, une prévoyance va vous verser des indemnités journalières en complément de ce que peut vous verser vos régimes obligatoires, la CARPINCO, pour maintenir votre niveau de vie et financer vos frais professionnels.
en cas d'invalidité partielle, c'est-à-dire que vous êtes encore en capacité d'exercer votre profession de kinésithérapeute, une prévoyance va vous verser une rente invalidité pour compléter vos revenus. En cas d'invalidité totale, vous n'êtes plus du tout en capacité d'exercer votre profession. Et dans ce cas-là, la rente invalidité sera totale et vous permettra de remplacer totalement vos revenus professionnels. Le cas le plus grave, en cas de décès, disparition prématurée, on va verser un capital décès qui permettra de financer le niveau de vie de votre famille, mais également des rentes conjointes et des rentes éducation et éventuellement des capitaux à vos associés si vous travaillez, par exemple, au travers d'une SCM. Voilà typiquement à quoi sert une prévoyance. Et donc, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. De quoi va-t-on parler ce soir? Merci de nous faire un petit teasing pour ce qui nous attend en fin de cette émission. En effet, ce soir, on va avoir un atelier consacré à une modification législative qui a eu récemment et qu'on appelle la loi Lemoine. Cette loi Lemoine va vous permettre de faire un certain nombre d'économies substantielles sur votre assurance emprunteur. Et donc, je vous propose de revenir sur un cas pratique lors de cet atelier. Merci beaucoup, Aude. Et donc, nous entrons dans notre sujet de ce soir. Alors, pour donner quelques éléments de contexte, donc si la kinésithérapie est une spécialité en pleine évolution, elle le doit aussi en partie à des thérapeutes avant-gardistes qui ont osé sortir des sentiers battus à travers l'exploitation ou d'une méthode ou d'une technologie innovante. Et donc, notre objectif va être d'analyser ce phénomène, d'explorer, de comprendre qui sont finalement ces nouveaux ingénieurs de la rééducation. Donc, nous aurons trois axes ce soir. Nous mettrons d'accord sur la définition de référent qui ne fait peut-être pas encore l'unanimité. Donc, qu'entend-on par le terme de référent? En deuxième partie, en tant que partenaire privilégié des fabricants, des marques, le thérapeute peut-il continuer à exercer en toute indépendance sa profession? Donc, Mickaël nous répondra sur sa pratique et nous en discuterons tous ensemble. Et enfin, quels avantages, alors pécuniers, intellectuels, à s'investir comme thérapeute pilote pour de nouveaux équipements? Ce sont donc nos trois axes et c'est avec vous trois que nous répondrons. Et en conclusion, nous essayons de dégager qui sont les nouveaux thérapeutes référents à suivre et comment les suivre, comment être proactif finalement pour aller aussi à la rencontre des marques. Donc sans plus tarder, qu'entend-on par référent? Je vais m'adresser à vous, Patrick Méo, pour nous apporter cette petite précision lexicale sur le terme de référent tel qu'il est conçu par Medscore et surtout aussi par les fabricants de matériel eux-mêmes. Bon, on n'est quand même pas parole d'évangile chez Medscore, mais un thérapeute référent pour nous, c'est un professionnel de la santé qui collabore étroitement et objectivement avec les fabricants de solutions matérielles. Et ce, souvent parce qu'il est avant tout convaincu des résultats obtenus à travers son expérience auprès de ses patients. D'accord ? Son rôle, ça sera bien évidemment de faire du co-développement pour un élargissement de la technologie. Il va participer aussi à la validation d'axes thérapeutiques. Il peut aussi évaluer et en faisant part en fait de son retour d'expérience avec des grilles d'évaluation sur certains sujets thérapeutiques. Il peut participer aussi à des workshops ou actions de formation aussi. Il peut être formateur. Et enfin, comme notre ami Mickaël. Et enfin, il peut aussi être présent dans les salons ou dans des événements de démonstration. Pratique, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Donc, avant de valider avec Mickaël si effectivement son rôle est celui que vous venez de décrire, Patrick, je vais quand même demander à Denis Gomichon. Alors, pour vous, la référence, bien sûr, c'est l'ordre, hein, puisque vous représentez l'ordre ici. Donc, on n'est pas exactement dans la même définition. Pour autant, comment l'ordre, du coup, encadre cette activité de diversification qui consiste à être un kiné référent pour un fabricant? Alors, le mot référent, objectivement, on a le référent commercial, je pense, hein, c'est ce qu'on a voulu dire hein, avec les appareils, tout ce qui est appareillage, tout ce qui est évolution d'appareillage. Nous sommes beaucoup plus les référents, on va dire, administratifs, législatifs. On encadre, on est les référents plus de la profession,
faut pas oublier que ces gens-là sont avant tout kinésithérapeutes et la profession est protégée. La profession étant protégée, elle est encadrée. Et bien sûr, nous, on est les référents administratifs qui leur donnons les moyens de s'émanciper, de travailler, de changer, d'évoluer, voilà. Donc, moi, je vois plutôt cette double référence, en fait, une référence commerciale et une référence administrative. D'accord. Voilà, je la schématise un peu comme ça. Merci. En tout cas, ce soir, ce qui va nous intéresser sur ce plateau, c'est de parler du kiné référent pour du nouveau matériel. Et donc, nous avons la chance d'en avoir un avec nous en la personne de Michaël. Alors, Michaël, quel est précisément votre rôle en tant que kiné référent, et vous allez peut-être en profiter pour nous dire quelques mots aussi sur Winback, finalement, pour qui vous intervenez. Tout à fait. Donc, il a très bien expliqué la définition, la définition de mon métier et de mon travail, c'est-à-dire qu'avant tout, je suis kiné, mais j'interviens au sein de Winback, donc, qui est un bac de matériel médical français. Qui a été créé en 2013 et qui grandit de jour en jour et qui a vraiment besoin de kiné pour partager en fait cette passion. Moi, j'ai commencé avec Winback en étant utilisateur de la Winback moi-même, hein, en ayant acheté la machine pour mon cabinet. J'ai un cabinet. On peut préciser de quelle machine il s'agit, voilà. Puisque tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, donc la TCAR thérapie, le but en fait, c'est un courant haute fréquence. Qui va permettre d'augmenter les échanges intra-extracellulaires et qui va créer une diathermie. Et cette diathermie va pouvoir agir sur tout type de tissu. Et c'est ça vraiment cette qualité de la TCAR, c'est qu'on peut agir sur peu importe quelle pathologie, qu'elle soit chronique, aiguë. Et en fait, Winback, l'avantage de cette marque, et c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est sans cesse en train d'évoluer et de chercher des nouvelles technologies. Et ils nous font participer en fait à cette évolution grâce à la Winback Academy, qui est en fait une académie qui regroupe des kinés, des formateurs, et qui nous permet vraiment d'échanger entre kinés et entre utilisateurs, même sur le site de la Winback Academy, qui nous permet d'avoir des forums de discussion, etc. Et c'est quelque chose de très ouvert. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser finalement comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure? Donc déjà, depuis quand? Comment vous les avez rencontrés? Et comment vous vous êtes retrouvé impliqué à ce point? Bien sûr. Depuis étant utilisateur depuis 2018 de Winback et de la TCAR thérapie, j'ai d'abord été moi-même étonné des résultats par rapport à mes patients. J'ai été positivement étonné. Bien sûr, c'était très positif sur les patients. L'effet était vraiment un effet immédiat. Et j'ai continué à l'utiliser jusqu'en 2019 où un des commerciaux est venu dans mon cabinet pour me présenter la nouvelle machine. Et il me dit, mais tu l'utilises beaucoup. Alors, je lui dis, je l'utilise 90% du temps. Il me dit, c'est super. Est-ce que tu es intéressé par. On cherche des kinés, justement, des kinés référents, ce mot que vous utilisez. Et moi, je lui dis, pourquoi pas? Quelle est la mission? Quels sont les objectifs? Moi, avant tout, je continue à présenter du matériel que j'aime et que j'aime travailler avec. Le but étant vraiment de promouvoir ma passion pour cette machine à travers des formations, à travers des workshops, comme le disait notre collègue. Et voilà, le but, c'est vraiment de partager en fait ce plaisir sur l'utilisation. Et ça s'est fait comme ça. D'abord formateur, puis ensuite formateur dans le monde, puisque je parle quelques langues étrangères. Et voilà, le but, c'était de faire découvrir la TCAR et Winback au monde entier, en prenant du plaisir, moi, personnellement aussi. D'accord. Donc, vous intervenez, du coup, depuis 3 ans, hein, c'est ça, hein, depuis 2019, du coup, où on vous sollicite pour présenter aussi la technologie, du coup, dans le monde entier. Exactement, exactement. Là, je reviens de Pologne, ce week-end. Le week-end dernier, j'étais au Koweït. Voilà, je bouge beaucoup. Je bouge avec plaisir parce que j'aime ça. Et c'est ce qui est... Ce qui est intéressant chez Winback et je pense chez d'autres marques de matériel médical, c'est que c'est une proposition de leur part. Je ne leur dois rien. En tout cas, il n'y a pas d'obligation de résultat. Je défends avec plaisir la marque et l'utilisation de la marque, mais ce par mon envie personnelle. Voilà.
D'accord. Alors, on l'a bien compris à travers vos propos. Pourquoi le thérapeute référent est un partenaire si précieux pour les fabricants de matériel ou les concepteurs de solutions? Parce que finalement, j'imagine que chaque marque a besoin d'identifier des ambassadeurs comme vous. Est-ce qu'on les trouve facilement? En fait, un fabricant a forcément, au-delà de l'aspect commercial qu'évoquait Denis, ça va au-delà en fait, puisqu'en fait, le référent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher quand même quelque part la bonne parole. Et ça, c'est au bénéfice à la fois des thérapeutes futurs utilisateurs et des patients. Denis a envie de réagir, je le sais. Non, mais comment vous réagissez à ça, à cette, du coup, cette diversification? En l'occurrence. Là, on est tout à fait dans un sujet qui, dans une médecine qui évolue. Hein. De toute façon, on l'a bien vu, la diversification, elle se fait par des techniques, elle se fait aussi par des produits, et elle se fait aussi par des machines, etc. Tout évolue. On disait qu'on est kinésithérapeute, on a des bases d'enseignement, de formation, et on a aussi des bases scientifiques qui sont enseignées et qui doivent être effectivement continuellement évaluées pour essayer justement d'avancer. La bonne parole, je veux bien savoir, je veux bien l'entendre, je veux savoir ce que c'est la bonne parole. La bonne parole, c'est d'être présent là où il faut, quand il faut, voilà, et quand les kinés sont demandeurs justement de nouveautés technologiques. Voilà, c'est une question sémantique et effectivement de vocabulaire qui est très important entre nous deux. Hein. Je crois que pour nous aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes, on est tous dans cette mouvance, que ce soit le Conseil de l'Ordre, que ce soit les kinés, on est dans une mouvance qu'on a bien pris au bon. On le voit aussi au niveau des dernières formations et des derniers grades que l'on a eu au niveau de nos instances qui nous ont permis d'être masterisés, hein. Ce qui nous permet aussi peut-être prochainement de discuter au niveau européen beaucoup plus facilement, et aussi, on en parlait aussi de cet accès direct, qui éventuellement est aussi une promesse qui va peut-être aboutir prochainement. Tout ça fait que le kiné évolue, il évolue dans ses techniques, mais il évolue aussi dans ses produits, hein, comme Michael. Ça, ce sont des produits que l'on entend, que l'on écoute, qu'on voit les salons Reduca qui évoluent. On voit par exemple des transformations de façon de voir les choses, les kinés travaillent différemment maintenant aujourd'hui. Mais ils doivent être encadrés. Et l'encadrement, bien sûr, c'est... Alors, est-ce qu'on pourrait analyser plusieurs cas de figure, puisque vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas la même chose d'être référent pour du matériel thérapeutique, comme peut l'être, par exemple, un chirurgien pour une nouvelle prothèse. Une prothèse, elle a un marquage. Le chirurgien va aussi faire progresser. Il va avoir le fabricant qui peut potentiellement être au bloc opératoire. Il va travailler de concert avec lui pour améliorer les systèmes. Alors, ce n'est pas la même chose d'être référent pour un matériel thérapeutique comme ça, ou pour d'autres produits qui pourraient être dans le domaine du bien-être, de la nutrition. C'est quand même des choses très, très différentes. Et le kiné peut être sollicité, lui, par tout un éventail de fabricants pour être référent pour tout un éventail de choses. Est-ce qu'on peut... Du coup, on n'est quand même pas dans les... Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, c'est le même fonctionnement. Un chirurgien fonctionne exactement de la même façon avec un... C'était pas ça ma question. C'est de dire, est-ce que le kiné qui va être référent, c'est pas la même chose s'il est référent pour du matériel thérapeutique qui est déjà reconnu et prouvé, ou s'il est sollicité? Non, mais c'est pas le cas. Il va être référent sur des nouveaux. Justement, nous, en fait, on crée des passerelles entre les fabricants qui arrivent sur le marché et qui veulent aller très, très vite et avoir une argumentation objective qui vient justement de l'intérieur, en fait, du réseau de cabinets de kiné. Aux yeux de l'ordre, c'est la même chose d'être référent pour du matériel thérapeutique ou pour des solutions nouvelles qui sont peut-être encore à l'étude, dont on n'a pas encore beaucoup de preuves, d'éléments. De par son expertise, le kiné quand même est capable aujourd'hui d'intervenir dans pas mal, disons, d'institutions, mais aussi auprès des concepteurs, que ce soit des appareils ou que ce soit des produits.
il est expert. Donc déjà, c'est une ouverture d'esprit, puisque le kiné n'est pas que soignant, il est aussi, de par son expertise, il peut être un conseiller, il peut être un bon consultant, il peut être un référent, comme vous dites. D'accord. Un référent pilote, on l'accepte très bien, hein. Un responsable de quelque chose. Voilà, de par son expertise. Et en plus, le fait d'être expert, il a une possibilité d'être formateur. Donc là, on a des ouvertures d'activités qui nous permettent aujourd'hui de concevoir une certaine évolution, hein, en respectant la législation. Donc, Mickaël, c'est exactement en fait votre cas. C'est que vous êtes à la fois sur l'évaluation du matériel, sur la formation. Tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression que vous parlez de ma vie actuelle. Et, tout à fait. Je suis très, très content. Effectivement, il y a ce côté formation, il y a ce côté donner aux autres notre savoir qui m'intéressait beaucoup dans cette aventure. Et le côté aussi matériel médical dont Winback crée des très très belles machines et qui me permettent de me prendre du plaisir dans mon travail. Et ça, j'avais vraiment envie de le partager avec les autres. Et c'est vraiment cette casquette qu'on a de formateur, d'expert, comme le disaient mes confrères sur le plateau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une évolution aussi personnelle, sans aspect négatif derrière, puisque en fait, on reste kiné, mais on peut aussi être formateur, on peut aussi participer à des workshops. On peut soigner des athlètes de très haut niveau, comme on le fait avec Winback sur le Red Bull Tour. En fait, on travaille sur le tour qui s'appelle le Red Bull Cliff Diving Tour, qui sont les plongeurs de l'extrême. En fait, on a été mandaté par Red Bull pour travailler avec eux. Donc, c'est des expériences comme ça inédites. C'est des plongeurs de l'extrême qui sautent de 27 mètres pour les hommes, 20 mètres pour les femmes. C'est une compétition incroyable où on a eu la chance de pouvoir promouvoir nos produits et maintenant on est sur le tour et donc c'est génial. Voilà, pour un kiné, c'est une expérience incroyable de pouvoir faire ça et en même temps d'être kiné, de retrouver dans son cabinet pour ma part à Arcachon et de revoir ses petits patients très simplement. D'accord, super sujet, on en parlera hors antenne, c'est passionnant. Et merci pour la transition directe sur notre deuxième partie, puisqu'après avoir clarifié la définition, voyons comment le kiné, tout en devenant partenaire privilégié, donc qui va mettre son expertise au service de telle ou telle marque, peut et doit continuer à exercer son métier en toute indépendance. Donc, c'est l'objet de notre second volet. Et donc, je m'adresse à vous, en tant que partenaire privilégié des fabricants des marques, comment continuez-vous à exercer en toute indépendance votre profession? Quelle distance garder par rapport à la marque que l'on représente, Mickaël? Bien sûr. L'avantage d'un kiné, et ça, c'est un des premiers choix pourquoi je suis devenu kiné, hein, quel était le but d'être kiné, c'est qu'on a une liberté d'action au sein du cabinet. Donc, c'est-à-dire que cette machine, par exemple, cette écart-thérapie que j'ai au cabinet, j'ai la liberté de pouvoir l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Personne ne va me mettre un couteau sous la gorge ou une pression de ce côté-là. Si j'ai envie de faire de la thérapie manuelle, je vais faire de la thérapie manuelle. Si j'ai envie d'utiliser ma TECAR, j'utilise la TECAR. Les missions, comme je le disais avant, sont proposées, mais c'est une proposition, c'est-à-dire que les marques ne mettent aucune pression, en tout cas pour ma part, je n'ai aucune pression de ce côté-là, c'est vraiment par plaisir que j'accepte et par plaisir que je décroche du cabinet, sans être forcément automatiquement d'un côté négatif, de dire je pars pour le business et je reviens pour mon cabinet. Moi, je sépare vraiment les deux entre cette activité d'expert, comme vous dites, et mon cabinet qui est aussi une certaine activité d'expert, parce que les kinés, on a une expertise au cabinet, mais je ne suis pas obligé d'oublier de travailler essentiellement avec de la TECAR-thérapie parce que je fais partie d'un groupe. Et ça, je mets un point d'ordre là-dessus. Maintenant, moi, effectivement, j'adore cette machine, donc je l'utilise très souvent, et j'ai fait connaître la TECAR-thérapie autour de moi en Gironde grâce à ça, mais par plaisir, voilà, pas par obligation. Merci beaucoup pour ce témoignage. Denis, donc ça veut dire qu'en entendant Mickaël, on peut réellement s'impliquer auprès des fabricants sans que ça se fasse au détriment de son métier. Ah non, oui, pas du tout. Enfin, oui, tout à fait. Je dis que le kiné, déjà, à la base, il a une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc déjà, on définit dans le moyen
on a le moyen manuel, on a le moyen technique. Donc déjà, ça, c'est important. Hein, on est quand même sur des bases qui nous permettent d'évoluer très facilement, d'être, comme dit Michael, d'être tranquille dans notre cabinet, d'exercer tranquillement. Après, tout est une histoire de comment on va faire ça, comment on va essayer de gérer tout ça, parce que c'est une vie qui est de soignant, une vie qui est assez intense, hein, je pense, Michael. Hein. On ne peut pas être partout et nulle part non plus. Donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir s'organiser. Et là, nous, au niveau de l'ordre, on sera là pour essayer de l'accompagner au mieux. Alors, Patrick, vous, depuis 10 ans, vous mettez en relation des kinés avec des fabricants. Vous êtes quelque part créateur de passerelles. Et grâce à toutes vos relations privilégiées avec ces différents acteurs, expliquez-nous comment et quelle est finalement votre motivation derrière pour que cette mayonnaise, elle prenne par rapport aux services réciproques rendus. Alors avant, je voudrais ajouter quand même mon point de vue sur justement la distance à prendre ou pas prendre, etc. Moi, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le kiné référent, s'il ne passe pas énormément de temps dans son cabinet, il ne va pas être bon. Je pense que Michael est d'accord avec moi. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus, on a quand même, en 15 ans, on a quand même vu pas mal d'exemples de perversité où justement, on avait des kinés référents qui étaient devenus multimarques. Parce qu'en fait, dès qu'une marque arrivait, il fallait vite un référent avec une image très forte. Mm-hmm. Et en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parce qu'ensuite, kiné référent, ce n'est pas un métier à part entière. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Il y a une certaine exclusivité, c'est-à-dire, bon, mis à part les concurrents directs de la marque pour laquelle on intervient, est-ce qu'il y a une exclusivité pour être référent pour telle technique, ou on peut l'être pour plusieurs choses, avec le risque peut-être de se disperser, passer beaucoup de temps pour cette fonction de référent et du coup de laisser un peu de côté son activité? Voilà, je laisserai plutôt répondre Mickaël, mais si les technologies sont vraiment complémentaires, par exemple la TKR avec la réalité virtuelle, il n'y a pas de problème en fait. Puis il y a même des technologies qui sont complémentaires. Il n'y a pas de problème. Après, le seul aspect, je pense, pour les kinés qui veulent se jeter dans le bain et qui ne le font pas encore, c'est vraiment, pour moi, c'est d'aimer le produit. Ce que je fais, ces formations, tous ces déplacements, je le fais parce que à la base, j'aime le produit. Si demain, on parle de lunettes qui massent les oreilles et que ça ne m'intéresse pas trop, je vais avoir du mal déjà moi à vouloir aller en Pologne vendre des lunettes qui massent les oreilles. Et de deux, ça ne sera pas intéressant pour point de vue personnel. Donc, bien sûr qu'il faut aimer le matériel, et je pense qu'on peut aimer plusieurs, et les kinés le savent. Il y en a qui font des ondes de choc, il y en a qui font d'autres choses. Pour ma part, c'est la TKR thérapie que j'utilise avec d'autres techniques, parce que la TKR thérapie ne s'utilise pas que sur table. On peut très bien faire des exercices avec. On peut les faire sur un Uber en parlant d'Uber ou autre. Donc, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir jouer là-dessus sans être prisonnier d'une marque ou d'un matériel électrothérapie. Merci beaucoup. Du coup, Patrick, je ne vous lâche pas avec ma question, je reprends. Vous êtes donc créateur de passerelles, puisque vous établissez ces ponts, ces passerelles. Depuis des années. Depuis 10 ans, peut-être même plus, je ne sais pas. En tout cas, la conviction, elle est là depuis longtemps. Bon, pas préciser trop les années après ça. plus sérieusement, parlez-nous justement de ces passerelles et de votre motivation derrière de les établir. Et puis, quitte à nous citer peut-être quelques exemples pour qu'on soit dans le... Alors, en fait, le point de départ, c'est que nous, on a une activité d'accompagnement marketing au niveau des fabricants et des distributeurs aussi. Et en fait, le référent est devenu vraiment à part entière un élément du mix marketing. Quand on lance une marque, quand on veut développer une marque, et Winback l'illustre très bien, parce que j'ai connu en 2013 justement le lancement de Winback, qui a pris appui notamment sur des référents très installés, très expérimentés, qui pratiquent encore plus ou moins, parce que c'était quand même des gens qui avaient quand même un bon background derrière eux. Et donc, à partir de là, nous, dès lors que, justement, une nouvelle marque arrive sur le marché, à partir de là, on intègre, en fait, cette solution, encore aujourd'hui, on intègre cette solution dans le plan et le dispositif de lancement et de développement de la marque sur le marché.
D'accord. Donc notre rôle, de par notre position, on est très très proche des fabricants, par la force des choses. On est très très proche des kinés, on a une très solide base de données comportementale, très bien qualifiée, et on sait très très bien quel type de profil on va mettre en place dans notre recrutement pour créer un réseau de thérapeutes. D'accord, pour faire le matching, donc, souvent, vous êtes un peu le mythique des ouais, fabricants. Enfin, non, c'est un peu démodé, c'est dépassé, ouais, mais mythique, je sais pas. Ouais, c'est... Non, mais après, c'est juste sur le matching, c'est qu'on va pas faire aimer à un thérapeute une machine qu'il n'aime pas. Et on démarre progressivement, c'est important ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer avec un ou deux référents très impliqués pour ensuite développer en fonction aussi du développement commercial, parce qu'il faut citer le mot quand même, du développement commercial de la marque. En tout cas, pour être dans le gagnant-gagnant, dans le win-win, et puis là, peut-être dans le win-back, pour que ça soit du gagnant-gagnant sur la motivation et l'intérêt. Parce que finalement, c'est tout bénef, hein, je mets des guillemets, pour le fabricant, ouais, d'avoir un thérapeute vraiment investi et convaincu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on achète pour aller faire la promotion. Sinon, on prend... il n'y a rien de dédaigneux pour les commerciaux. On a besoin de commerciaux. Mais là, ce n'est pas le même rôle, quoi. Le thérapeute, surtout qu'on est dans un monde quand même de scepticisme sur tout ce qui est marketing commercial. On a fait un plateau là-dessus. Et qui est surveillé par l'ordre. Donc, ça tombe bien que vous soyez sur le plateau, Denis, parce que j'aimerais que vous nous rappeliez les points, je crois, au nombre de 4, sur lesquels le Conseil de l'ordre est particulièrement vigilant et donne un 4, surveille. Pouvez-vous nous rappeler un Je voudrais commencer déjà sur l'image, parce que j'aime bien cette façon de procéder. C'est très bien d'avoir des référents, de choisir des référents. Mais on est là juste un petit peu en retrait, parce que ces référents sont kinésithérapeutes, comme je le disais tout à l'heure, avant tout. Et nous, on surveille l'image du kinésithérapeute et on surveille aussi Michael. Notre but, il est de l'encadrer. Que l'ordre surveille, il y avait un petit lapsus. On a parlé d'accompagnement tout à l'heure. On est là pour leur donner le code d'ontologie, des guides. On a tout ce qu'il faut au niveau de la communication, etc. Le droit à l'image, attention, aussi aujourd'hui, c'est un kinésithérapeute. D'accord ? On n'en fait pas n'importe quoi avec un kinésithérapeute, puisque la profession est réglementée et surveillée. Pour répondre à votre question, quand un kiné commence un petit peu à réfléchir sur ce qu'il peut faire, on l'accompagne, on l'encadre, notamment sur son installation. Son cabinet, il doit se faire connaître auprès de nous, il est enregistré, il a un numéro RPPS, il est enregistré chez nous, et il doit nous communiquer tous les contrats qui le rattachent à quelqu'un ou à une institution. Ça, c'est une obligation. Donc, quand on est formateur ou prestataire de service ou expert de quelque chose, à partir du moment où il y a un contrat, on doit être au courant. C'est du déclaratif. Plus déclaratif, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de... C'est plus déclaratif. Donc, ça, c'est premier point, c'est la forme d'installation. C'est l'installation. D'accord. On doit savoir ce que le kiné fait. La deuxième chose, c'est dans une perspective d'évolution, effectivement, on doit savoir où la personne va. On ne peut pas non plus autoriser un kiné qui sort de ses compétences. On doit le surveiller, on doit regarder où il peut partir. On doit éventuellement le recadrer. Où il doit partir, géographiquement ou par rapport à la spécialité ? Dans la conception du produit, la spécialité, etc. D'accord. Ça, on verra un peu plus tard. D'accord. Ça, c'est vraiment sur l'installation. C'est bon, Michael, on ne va pas vous empêcher de voyager. C'est déjà l'installation, non, pas du tout. Pour l'installation, Michael a besoin de s'installer, il a besoin d'être kiné, il a besoin de soigner, il a besoin de trouver que sa machine marche bien, etc., dans son cabinet, il fait de la thérapie manuelle. Peu importe, on a parlé d'obligation. La deuxième chose, on lui demande simplement de nous communiquer ses contrats. On veut savoir ce qu'il fait, comment il le fait, c'est simplement pour le protéger vis-à-vis de notre profession. D'accord, donc deux points de vigilance, l'installation, les spécialités. Voilà. La deuxième chose, c'est son activité. Le Conseil de l'Ordre a défini par des avis que vous trouvez sur le site du Conseil national de l'Ordre, tous les diplômes qui sont rattachés à notre profession. Diplômes, les titres et surtout les spécificités. Et ces spécificités ont beaucoup évolué depuis 2006, depuis la création de l'ordre. Maintenant, vous pouvez aller sur le site, les avis. On n'est plus dans la technique, on n'est plus dans la balnéothérapie, etc. Non, maintenant, on a repris les fondements de la thérapie. On marque
la spécificité, c'est rééducation neurologique, rééducation traumatologie, etc. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus basique. Bien-être, sport, kiné du sport, etc. Voilà, on a des secteurs d'activité qui sont répertoriés, donc on pioche là-dedans. Et voilà ce que l'on peut mettre sur une plaque ou sur une carte de visite. Donc là, on encadre, ça a une certaine forme de communication par ce diplôme titre et spécificité. Alors là, vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds, parce que je voulais vous demander ce qu'on avait le droit de mettre sur la plaque, en intérieur, en extérieur, qu'est-ce qu'on a le droit d'afficher ? On va faire simple. On a supprimé le mot publicité maintenant, ça y est. L'article 67. La kiné ne doit pas être pratiquée comme un commerce, c'est tout ce qu'il faut savoir. La kinéthérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce, c'est tout ce qu'on doit savoir. Le reste, c'est une question de bon sens. Je suis dans mon cabinet, je communique comme je veux, mais en fait, je communique des informations de mon cabinet. Ce sont des informations qui ne sortent pas du cabinet. Si les gens le sortent, ce n'est pas lui qui les a sorties. Bon, il ne met pas ces informations sur un flyer dans une boulangerie, par exemple. Ce sont des informations internes. D'accord ? Mais, on va mettre des posters, des trucs comme ça, là, ça attend. Communication hors du cabinet. On est dans une certaine forme de communication publicitaire où on va considérer que on accroche des gens qui ne sont pas susceptibles de voir ce que Michael fait. Donc là, l'encadrement est beaucoup plus strict. D'accord ? Et là, on a un recueil, un guide de communication. Je vous l'ai emmené. Hein. Il est là. Je ne sais pas si vous pouvez le montrer à l'écran. Montrez-le à la caméra, à celle-ci, je crois. Voilà, celle-là. Dans ce guide, vous pouvez le trouver, bien sûr, toujours sur le guide, sur le site du Conseil national de l'Ordre. Ce qui nous permet de savoir, de donner des limites. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur les plaques, sur nos cartes de visite, quelles sont les limites, les lois, etc. Tout est repris, et je crois que c'est une bible. Si vous articulez votre diversification, votre activité, votre expertise, etc., avec ça, il n'y a pas de problème. Tranquille, vous encadré, êtes tranquille, c'est bon. Si vous respectez ça. Voilà. Vous avez terminé sur ce point de clarification ? Sur ce point de clarification concernant l'installation de l'activité. Après, effectivement, on surveille les déviances. Ok. Eh oui. Quel type de déviance, par exemple ? Déviance thérapeutique ou sectaire ? Celles qui sont surveillées par l'AMIVILUD. Donc, l'AMIVILUD, c'est tout ce qui est sectaire, bien sûr. En ce qui concerne un thérapeute référent, justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme déviance ? Nous avons la kinésiologie, par exemple. La microkiné. Alors, ça, c'est une déviance thérapeutique. Justement, comme. Alors, on a. Des activités qui sont surveillées par l'individu. Alors, comme on n'a pas un temps infini, mais que c'est quand même super intéressant de le savoir, est-ce qu'on peut juste, en répondant oui, non, savoir les spécialités qui sont reconnues par l'ordre ? Alors, les ventouses, oui, non ? Alors, les ventouses ? Oui, non. Denis, c'est oui, non. C'est non. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non par rapport au danger que ça peut procurer. Pour l'ostéopathie crânienne ? Alors, l'ostéopathie est autorisée, puisqu'elle est reconnue par décret, mais tronçonner, non. Puisqu'un kiné n'est pas ostéopathe, nécessairement ostéopathe, un ostéopathe peut être kiné. Donc, on fait l'ostéopathie, on ne saucissonne pas, donc l'ostéopathie crânienne, en tant que kiné, n'est pas validée. D'accord. On a dit la kinésiologie, non. Et non. Non. La fasciathérapie, non. L'ostéopathie viscérale, la fasciathérapie n'a pas fait ses preuves encore. D'accord. On peut évoluer. La fasciathérapie est en étude. D'accord. On n'est pas dans une sorte de schéma catégorique. D'accord. Alors, on ne va pas faire un inventaire à la Prévert parce qu'on a encore une troisième partie à traiter, mais pour montrer qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on évolue, par exemple, le dry needling, c'est quelque chose qui n'était pas reconnu et qui l'est depuis récemment. Donc, ça montre que l'ordre s'adapte. La sèche, bien sûr, on était sur une technique invasive, dite invasive, qui n'était pas tellement, qui ne nous considérait pas. On essayait un petit peu de mettre ça en exergue. Et on a une cour de cassation qui a effectivement retourné la situation. Et maintenant, on autorise le dry needling. Merci beaucoup. On a survolé, on n'a pas le temps de rentrer en tous les détails, mais c'était bien de donner quand même des exemples. Alors, il y aura encore plein de choses à dire sur chacune et comment ça a évolué et pourquoi. Mais il faut qu'on passe à notre troisième partie. Donc, après avoir évoqué les risques, avoir rappelé tout ce qu'on risquait à sortir des clous, nous allons nous attarder sur les
avantages à devenir référent, parce qu'il n'est pas question de le faire en catimini, mais au contraire, aller au-devant des fabricants pour participer à l'effort collectif d'amélioration. Et nous poursuivons l'échange après un message que nous délivre l'UNIM, notre partenaire de ces Mardis de la Santé. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Notre troisième partie intitulée « Quels avantages pécuniaires et intellectuels à s'investir comme thérapeute pilote pour de nouveaux équipements ?» Un petit peu comme un pilote d'essai pour du nouveau matériel sportif. Hein. Tout à l'heure, vous avez évoqué les plongeurs. On a aussi des pilotes d'essai pour des voiles, pour des parapentes. Donc finalement, quand on est kiné, on teste du nouveau matériel, finalement, comme on testerait du nouveau matériel sportif. Alors, quel intérêt, Michael, alors à la fois personnel et professionnel, à être impliqué dans le développement et les améliorations de tel ou tel produit? Alors, d'un point de vue personnel, le fait de faire augmenter les capacités de la machine, en l'occurrence pour moi Winback, en fait me permet après d'utiliser une machine qui va être plus performante. Mmh. Donc finalement, le retour pour moi, il va être patient, parce qu'à la base, nous sommes kinés, nous sommes thérapeutes, le but, c'est le patient. C'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous fait, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est soigner les gens. Donc forcément, si moi je participe grâce à des tests en fait sur ma machine, tout simplement j'effectue des tests, et ce qui permet en fait de changer des modes de fonctionnement, etc. dans la dernière machine, la BAC 4, la toute dernière de Winback, elle est reliée en Wi-Fi, donc en fait ça permet au constructeur de voir comment je l'utilise et d'adapter un petit peu les réglages en façon, dans la façon dans laquelle je l'utilise. Donc moi, ça me permet de faire évoluer la marque et donc de me faire évoluer mon travail personnel. Ensuite, personnellement, ça me fait plaisir d'être kiné, mais ça me fait aussi plaisir de faire grandir quelque chose aussi, dont par exemple cette marque, mais au même temps de faire grandir les gens. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas payé à parler de la thérapie à mes amis quand je suis avec eux le week-end. J'ai des amis kinés et je ne gagne rien. Je ne gagne strictement rien, mais ça me fait plaisir de leur dire, là, j'ai eu des résultats intéressants sur telle et telle pathologie. Essaye, tu verras. Mm-hmm. Et là-dessus, en fait, on est vraiment libre. Et c'est l'avantage aussi de la kiné, c'est d'être libre de parler de ces techniques. Est-ce que c'est une opportunité pour valoriser son activité de recherche? Parce que quand on s'implique pour des marques, pour des appareils, on peut aussi être amené à être impliqué dans des études cliniques, à produire des résultats, à tirer des statistiques, à publier. Donc, il y a quand même un vrai intérêt intellectuel, me semble-t-il. Un investissement, d'ailleurs. Oui. C'est un investissement et c'est vrai que c'est frustrant. On comprend très bien cet investissement en temps, en technique. Et c'est vrai que c'est une réflexion. Je n'ai pas compris ce qui était frustrant. C'était frustrant de ne pas aboutir à quelque chose de financier, tout simplement. Alors, qu'on soit très clair, le fabricant qui sollicite un thérapeute référent, vous êtes juste invité à vous déplacer pour en faire la promotion ou vous êtes rémunéré pour faire... on est entre nous, on peut le dire, et puis c'est intéressant de le savoir pour tout le monde. Bien sûr, on a la possibilité de faire les deux, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je suis rémunéré lors d'une formation comme un formateur le serait dans n'importe quel métier, ouais. Mais par la passion de l'outil qu'on utilise, on peut très bien se déplacer, on va dire bénévolement ou par plaisir, dans certaines compétitions sportives. Comme moi, je suis kiné pour quelques compétitions sportives, j'amène ma machine avec moi parce que je connais son efficacité et donc je me déplace avec ma machine. Mais là, il n'y a aucune obligation. Comme je viens avec mes mains ou avec d'autres outils. Oui, c'est vrai que de venir sans ses mains, c'est un peu plus compliqué, ouais. Oui.
En effet. Patrick, vous qui avez, on l'a déjà dit, 10 ans d'expérience dans sur ces passerelles entre les thérapeutes et les fabricants, comment le business model est équivalent chez tout le monde ou il y a différents cas de figure proposés ? Il y a vraiment des tas de modalités. D'accord. Des tas de modalités. Il y a la contrepartie, ça peut être la mise à disposition du matériel. Ok. Mmh. Après, ça dépend des niveaux d'intervention. Une formation, on sait qu'il y a un tarif journalier, une présence sur un salon, pareil. Donc, ça peut être, il peut y avoir une base et puis des services additionnels qui peuvent se faire au fil du temps et au fil des besoins, parce que la relation entre le référent et la marque va évoluer. Je suis sûr que Winback fait appel pour élargir peut-être la gamme, créer des nouveaux produits. Je suis sûr qu'il fait appel à ses référents. Donc, oui, c'est vraiment une relation très forte qui dure vraiment sur du moyen long terme. Mais finalement, le business model qui va être proposé dépend aussi beaucoup de la machine. On peut imaginer qu'une machine très très chère, un gros investissement, si on vous le met à disposition dans votre cabinet, du coup, c'est déjà intéressant en soi. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de business model, en fait. Mm-hmm. La preuve, c'est parce qu'en fait, il y a aussi une réglementation. Donc, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, tout se fait dans les règles, en quelque sorte. Mm-hmm. Et c'est plutôt bien, quoi. Parce qu'en fait, le principal critère qui va faire qu'il va y avoir une implication réciproque entre le fabricant et le référent, c'est la passion, en fait. Non, mais c'est réel, hein. C'est pas... Nous, on a vraiment des gens qui arrivent sur le marché avec des nouvelles technologies. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, quoi. Ils y croient. Et en fait, il faut recruter des référents qui y croient aussi, quoi. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord. Très bien. Il n'y a pas de business model. D'accord. En fait. C'était peut-être un vilain mot à ne pas employer sur ce plateau. Il n'était pas très bien adapté. Non, je m'en excuse. Non, c'est le mot juste. J'ai mis les pieds dans le plat. C'est le mot juste. Denis, justement, quelle évolution du code de déontologie et quelle incidence sur l'activité du thérapeute référent ? Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà une ouverture sur notre profession, on l'a vu, on l'a répété, sur la formation, sur l'expertise, sur le conseil, avec des possibilités de rémunération qui sont déclaratives. Là, il n'y a pas de problème. Là où ça bute, c'est effectivement quand le produit se développe. Et on peut concevoir qu'un kiné a une certaine frustration par rapport à la marge qu'il pourrait avoir sur certains produits, puisqu'ils ont quand même fait un travail conséquent. Dès qu'on parle de marge, voilà l'interdit. Pour bien comprendre ça, c'est d'accord. L'histoire de marge, c'est ça. Je pense que l'évolution passera peut-être par cette évolution dite commerciale, puisqu'on parle de marge. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas fermé. Il y a des on l'a dit tout à l'heure, il y a diverses possibilités de faire évoluer un produit, diverses prestations. On a un partenariat. Aujourd'hui, il y a des solutions. Mm-hmm. On n'en est pas encore dans le côté. D'accord. Ça peut venir, puisque bon, on est quand même, attention, Michael, je pense qu'il est conventionné. Hein. On est quand même sous un petit toit de verre de la sécurité sociale qui est là aussi pour donner ses règles du jeu qui ne sont pas effectivement les mêmes pour tout le monde. Il faut peut-être aussi ajouter à ça qu'il y en a encore des domaines qui sont en pleine évolution. Je pense notamment à celui des neurosciences qui demande du coup de s'adapter. C'est-à-dire que des choses pas prouvées aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la rééducation dans lesquelles on implique les sciences cognitives, dans lesquelles on va utiliser de la réalité virtuelle, c'est des choses qui, il y a 15 ans en arrière, n'auraient même pas été considérées. Alors qu'aujourd'hui, il faut quand même s'adapter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des kinés qui s'y intéressent et qui sont impliqués à 150%. L'équilibre et tout. Il y a beaucoup d'ateliers d'équilibre maintenant qui évoluent très très vite avec ces nouveaux produits. La demande, elle n'est pas forcément faite par le fabricant, hein. Elle est aussi faite par le kiné. Tout à fait. Très bien. Alors, on a dit beaucoup de choses. Le temps passe très vite aussi. Bon, nous arrivons au terme de notre émission. Je pense qu'on a parlé de frustration et probablement on laisse cette émission parce qu'il y aura encore à développer plein d'aspects. Qu'est-ce que vous avez envie, chacun, tous les trois, que l'on retienne de cette thématique radioscopie des thérapeutes référents ? Je vous laisse répondre, Michael. Comment vous avez envie d'encourager vos confrères ?
leur dire c'est pas un saut métier, venez, rejoignez-moi. L'avantage qu'on a avec ces marques de matériel médical, et je parle pour ma part hein, avec Winback, c'est que je suis kiné expert et je ne suis pas businessman ou je ne suis pas commercial. Et vraiment, l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on s'occupe vraiment de cette partie développement du produit, etc. Et la marque s'occupe de l'aspect commercial, etc. Donc, il ne faut pas confondre son rôle. Nous, on a créé chez Winback cette académie qui nous permet d'être vraiment chaperonnés. On est vraiment au sein d'un groupe de kinés experts et on sait ce qu'on a à faire, des formations, des workshops, etc., même des présentations dans d'autres pays. Et la partie commerce est vraiment séparée. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer d'un côté et de dire non, je n'ai pas fait d'études de commerce, je n'ai pas fait d'études de business, je ne sais pas vendre un produit. Nous, on ne vend pas un produit, on offre la possibilité de partager notre savoir à travers le monde pour ma part. Donc l'avantage, il est là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment un message essentiel à retenir. Donc, merci de l'avoir reformulé aussi clairement pour qu'on le retienne bien. Parce que je crois que ça, c'est quand même un message super important à retenir. Je ne pense pas que ce soit Denis qui dise le contraire. Donc, quelle est votre conclusion et qu'est-ce que vous avez envie qu'on le retienne? Merci, Mickaël. Vraiment, c'est très, très bien. Non, d'avoir compris ça, de laisser le commercial au commercial et d'être un partenaire pour effectivement faire évoluer un produit par sa propre expertise. Je crois que si on a compris ça ce soir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, chacun son rôle. Patrick, donc on n'a pas forcément de l'opposition sur le plateau, on peut être dans la construction collective. Moi, je parlerais plutôt de démystification, en fait. Oui. Parce qu'on a tenu à faire ce plateau sur cette thématique, parce qu'en fait, pour certains confrères, le kiné référent a quand même une image un peu mercantile, quand même. Il y a peut-être une connotation, qu'il faut démystifier. Ouais, complètement. Mm-hmm. Après, ça dépend aussi des marques, l'image des marques, etc. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, tout ce qui fonctionne bien dans le temps, c'est lié à la passion, en fait. Et que ce soit dès le début, dès la prise de contact entre le kiné et la technologie, jusqu'au développement, s'il n'y a pas la passion, ce n'est pas durable et puis ce n'est pas constructif. Donc, puis on le sent à travers le témoignage de ce soir. Eh bien, merci beaucoup parce que personnellement, j'ai trouvé ces échanges passionnants. Je vous remercie vraiment tous les trois de vous être livrés sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes d'Ouvrez l'œil et de Medscore donc, pour avoir assuré la préparation, la production de cette émission. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Ce sera le 6 décembre pour parler du sport santé. Qu'est-ce que le patient, le consommateur, le client est en droit d'attendre et de qui? Et pour en discuter, nous accueillerons sur ce plateau le docteur Sophie Doy qui est médecin du sport, Bernard Montalvan, représentant de la FFT, donc un rhumatologue très engagé dans le sport santé, Eddie Elabi est ostéopathe engagé également dans le sport santé, et Laurence Boin qui est kinésithérapeute et qui a une vision très large du métier de kiné. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Mais la soirée n'est pas totalement finie puisque vous avez à présent rendez-vous pour un atelier avec l'UNIM que je laisse Haute nous présenter. En effet, restez avec nous. Ce soir, il y a un atelier consacré à la loi Lemoine et à la façon de faire des économies sur vos assurances emprunteurs. Un court échange d'une dizaine de minutes. Merci Aude. Bonne soirée à tous et rendez-vous dans 15 jours. Merci à tous les trois pour votre participation. Bonsoir. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.